Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoulou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 6 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement dans cette vidéo je vais vous présenter le défi à étapes qui est de trouver une partition à Pleasant Park et puis de jouer cette partition sur un piano géant qui se trouve à Pleasant Park et je vais vous montrer les emplacements exacts des pianos. Donc c'est parti les potos, je lance en solo. Et let's go! La première partition à trouver du piano à Pleasant Park se trouve dans cette maison-ci. Voilà, vous entrez, vous allez en bas des escaliers et elle se trouve juste ici. Vous êtes obligé de la fouiller pour continuer l'étape numéro 2. Donc normalement, je pense qu'il n'y a pas besoin de se suicider pour faire la deuxième étape. Je vais quand même aller voir, vérifier tout ça. Donc logiquement, le piano géant se trouve quelque part ici. Donc voilà, justement, il est là. Alors on va voir si je peux déjà y jouer ou si je dois relancer le truc. Donc apparemment mes notes ne s'affichent pas là. Je vais quand même essayer de les jouer parce que ben je les ai retenues. Donc c'est C, E, G, E et puis on finit par C. Donc C, E, G, E, C. Ok, c'est pas validé. Donc je pense que... Ah, quoique... Ah, peut-être que ça c'est validé, je ne sais pas. De toute façon, je vais me suicider et je vais bien voir si ça a validé le défi ou pas. Si on est passé à l'étape numéro 3 ou si on est toujours à l'étape numéro 2. Parce que ce serait dommage de devoir relancer à chaque fois la partie pour faire la deuxième étape. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Geronimo ! Voilà, voilà. Donc, on fait un petit bac. Obligé, hein, vous êtes obligé soit de vous suicider, finir la partie ou faire top 1 pour valider la première étape, je pense. Hein, on va vérifier ça. Mais ne quittez surtout pas la partie, parce que si vous quittez, ça annule carrément la première étape, même si vous avez récupéré la partition. Défi, semaine 6, voilà. Étape 2, jouer la partition sur le piano près de Pleasant Park. Ouais, donc vous êtes obligé de vous suicider ou de faire top 1 ou de vous faire tuer pour valider la première étape et relancer une game pour faire la deuxième étape, ainsi de suite pour chaque étape. Donc maintenant, je vais retourner jouer la partition que j'ai trouvée à Pleasant Park sur le géant piano qui se trouve à Pleasant Park. Et après, bah, je vais me suicider pour faire la troisième et encore me suicider pour faire la quatrième et dernière étape. Logiquement, comme j'ai ramassé la partition devrait s'afficher sur le pupitre. Donc on va bien voir. De toute façon, ok, il y a plusieurs personnes. Effectivement, la partition s'est bien notée sur le pupitre. Je ne sais pas si je peux le faire en même temps qu'eux, mais on va quand même essayer. Donc c'est E, G, E. Putain, l'enfoiré, il m'a bloqué. Vas-y, mais bouge. Alors, je recommence. C, E, G, E, C. Ok, donc ça n'a pas l'air de s'activer. Il faut absolument que chaque personne le fasse un après l'autre. Ok, donc je me cache. J'espère qu'il m'a pas vu. Ça, c'est vraiment mal foutu. Ah, what? Ah, il y a carrément des blocs qui apparaissent maintenant. Mais ça, c'est vraiment, vraiment mal foutu. Qu'on doit attendre que personne n'y soit pour le faire. Donc là, ben, tant mieux, il s'est barré, donc je vais vite le faire, je vais en profiter. Donc, C, E, G, E. Putain de pisse de chien, mon gars! À une lettre, quoi, putain, c'est pas possible. Je vais quand même vérifier pour voir si ça a fonctionné, mais je pense que ça n'a pas fonctionné parce que quand je l'ai fait, les autres le faisaient en même temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller prendre une arme avant de vous diriger vers cet endroit. Donc c'est ce que je vais faire dans la prochaine partie si jamais mon défi étape 2 n'a pas été validé. Alors voyons voir ça, défi semaine 6. Et effectivement, ça n'a pas été validé, donc c'est reparti pour un tour. Ok, donc j'ai pas d'arme, mais je pense que je suis tout seul parce que le bus était super loin. Donc je pense que je vais pouvoir avoir le temps. Donc c'est... E, G, E et C. Voilà, normalement, c'est très bon, là. Ok.
Donc si jamais, n'hésitez pas à mettre des petits trucs là comme ça pour être sûr de pas être dérangé. De toute façon, bah vas-y, tue-moi. Parce que maintenant, je dois valider mon étape. Voilà, vas-y, tue-moi, mec. Nice. Good job. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Maintenant, on va faire l'étape numéro 3. Pour la troisième étape, il va falloir trouver la partition de notes de piano qui se trouve à Pleasant Park. Elle se trouve juste ici, donc vous fouillez. Voilà, quand vous avez fouillé, vous vous suicidez. C'est magnifique ce jeu. Il faut se suicider toutes les 5 secondes, putain. Bon après, vous n'êtes pas obligé de vous suicider, hein. Vous pouvez faire la game, faire un petit top 1, quoi, si vous avez le time. Moi, j'ai pas trop le time, donc je vais tout simplement aller trouver ce petit... bonhomme là, avec son petit shotgun, qui va me foutre un one. Mais il se fout de ma gueule en fait. Il se fait tirer dessus, il voit que je suis là, mais non, il a pas envie de me tuer. Mais il est sérieux ou quoi? C'est quoi ces joueurs là? Mais mec, tue-moi, s'il te plaît. C'est nouveau ça dans Fortnite, les gens ils veulent pas vous tuer? Ah, enfin, merci, thank you. Alors, le piano géant de Ray Tyro se trouve en haut à gauche. Enfin, ça dépend de où vous regardez. On peut dire en haut à droite. Alors, la partition, c'est A-E-F-A-E-C-A. Donc, A-E. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais chercher une arme. Ok, merci. C'est quoi ces petits ballons là, en fait? C'est nouveau, ça? Hein? Mais what the fuck? Oh, c'est génial! Oh, mais c'est génial! Ah, vas-y, comment je fais pour descendre? Oh, c'est génial ce nouveau truc là! Qu'est-ce qu'ils inventeraient pas Fortnite? Franchement, question innovation, Fortnite, ils sont trop forts. Alors, je vais vous donner une petite astuce aussi pour les pièges à congélateur là. Vous en mettez 3 dans une partie et vous avez fini votre défi. What? Ah non, c'est dans plusieurs parties là. Il faut mettre un dans 3 parties différentes. Ok. Alors maintenant, on va faire notre petit truc de piano. Voilà, j'ai une arme, mais il n'y a plus personne. Tu vois l'utilité? Trop fort. Alors, A. Je pense qu'on peut le faire en un temps large. Hein. E. F. A. E. Alors, vous ne trompez pas avec G et C. Ça, c'est un G. Ça, c'est un C. C. Et puis A. Oh, il est où le A? Il est là. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? What the fuck? Ah, parce que... Ah ouais, mais là, il y en a d'autres aussi. C. A. E. Donc, attends, laisse-moi réfléchir. Donc, si je fais ça. A. E. Oh, attends, on me tire dessus. Putain, il m'a tué. J'ai même pas compris comment fallait faire la dernière partition là. Ça a l'air compliqué quand même hein, pour la dernière partition. 19% d'HP, ok, c'est bon, on recommence. Putain, tiens. Heureux que j'ai chopé l'arme avant lui, quoi. Bon, je vais devoir le tuer. Désolé, mon ami. Voilà, voilà. Alors ensuite, si j'ai bien compris, regarde, là il y a un A, un A. Il y a un troisième A. Ah, lui, il est carré. Le A, il est carré. What? Comment ça, il est carré? Ah, ok. Ok, en fait, je viens de comprendre. Là, c'est un A carré. Donc, il faut que le A carré, c'est celui-là. Donc, je dois mettre un A rond. Un A rond, il est là. Puis après, je dois faire un E rond. E rond, il est là. Puis un F rond. Et puis un A rond. Puis après, je dois faire un E. Merde, j'ai fait un E. Putain. On recommence. A. E, F, A, et puis E, donc le E rond, voilà, un C rond, voilà, et puis un A carré. Alors voyons voir, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Après, je joue la petite note au KLM, voilà. Maintenant, après ce tuto, normalement, vous êtes un maître de l'art du piano, les potos. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oubliez pas qu'il faut absolument se suicider, faire un top 1
ou vous faire tuer et ne surtout pas quitter la partie pour valider votre défi. Ça vous donnera 10 étoiles, donc un palier gratuit complet ou 1000 XP si vous avez déjà vos 100 paliers grâce au petit glitch, bande de petits malins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.